Pour l'épisode 44, 44, et ça va bientôt faire un an que je fais cette série quand même, hein, là, bah dis donc, hein, bah dis donc, Bernard, bon, c'est pas pourquoi je dis ça, on se retrouve du coup au Somme Bébé Challenge, pour un nouvel épisode, Clémentine dort, Alexis a enfin grandi, du coup il arrête de brailler comme un putois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le faire manger. Mange, mon petit, mange. Tiens, arrête de jouer, viens là. Ta sœur. Elle va discuter. Non, elle est en chat, tu vas aller prendre une douche. Non, en fait, tu vas discuter. La meuf qui sait pas ce qu'elle veut. Ici. Voilà, cause avec ton petit frère, là. Raconte-lui des histoires. Blague perso. Putain, il arrête pas de bouger. Trop de balles, va. Tu nous as bien enquiquiné quand t'étais bébé, hein, sale gosse, va. Mais arrête de bouger. Oh, bon, en même temps, c'est moi qui lui ai dit. Alors, raconter une histoire drôle. Discuter des centres d'intérêt. Il est quelle heure? Il est 21h, faut peut-être qu'ils aillent se coucher à un moment donné. Donner une leçon profitable. Voilà, donc, la petite Kera. Elle va débarrasser, puisque tout à l'heure, c'est Seb Play qui l'avait fait. Donc, Seb, tu vas aller te coucher. Ah, zut, faut que je fasse la chambre d'Alexis. Oh, je vais la faire rose. Bon, il y a déjà une chambre rose, vous me direz, mais j'ai trop envie de la faire rose. Parce que Alexis, je sais pas. Je sais pas, c'est Alexis, quoi. Et Nancy, ensuite, ira te doucher. Ça te fera pas de mal. Ok, elle parle avec son petit frère, elle est enjôleuse. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Ma petite pépette, non, tu vas pas faire une autre toile, tu vas manger un truc et ensuite t'iras dormir, hein. Parce que bon, quand même, t'es vieille, on va te ménager, ma petite Clara, et toi, mon tout mon roi, je vais arrêter de chanter parce que je chante mal, bref. Tu vas utiliser les cabinets et tu iras dans cette chambre-là. Du coup, on va la faire. On va la faire tout de suite. Vu que j'ai déjà du rose avec la chambre des lentilles, on va plutôt lui mettre du violet. Ou quelque chose du genre. Alors, c'est violet ça? Ouais, si on veut. Il n'y a pas du violet mieux. Du violet mieux. Oh, ça ressemble... Oh, ça, ce serait trop un lit pour ma... Pour ma Nono, ça, je sais pas. Je vois trop Nono. Nono, pour ceux qui savent pas, c'est macaron, c'est Nono, quoi. Je peux pas décrire, je peux pas mettre deux mots sur notre amitié. Parce que bref, on s'en fout. Donc, pourquoi je vais mettre des plantes? Moi, ça s'arrange pas. Hein. Donc, du violet. Des petits papillons. Des papillons qui papillonnent. Voilà, du violet, c'est Louli. Du coup... En rideau. Oh, en plus, il va falloir mettre plein de rideaux, là. Laisse tomber. Tous les rideaux qu'il faut mettre. Par contre, on va changer la couleur. Voilà, c'est parfait. Du violet. Hop. Violet. Violet. Assassiné. Putain, cette chanson est horrible. Tu-tu-du, oh là qui voilà, inspecteur gadget. Nani-nani-na, je connais pas la suite, ni le reste des paroles. Je vous arrête là, tu-tu. Non, faut vraiment que j'arrête de chanter. Je sais pas pourquoi quand je fais mes vidéos, ça me donne envie de chanter. Pour ceux qui savent pas, quand je chante, c'est que je suis contente, donc quelque part c'est... C'est tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon. C'est moins tant mieux pour vos oreilles, quand même. Mais cette poubelle. Mais ce crogneugneux. Voilà.
Du coup, il n'y a pas de violet, je suppose. Eh ben non, sinon c'est trop facile. Bah, on va lui mettre la bleue, hein, tant pis. Oh, quelle horreur. Oh, mais il n'y a pas de bureau violet. bon, bah, je sais pas, moi. Bah, celle-là, hein, tant pis. Ça va pas du tout avec le reste de la chambre. Bah, je sais pas. On va mettre ça, hein. Tant pis. La petite chaise, il faut mettre les tapis aussi. Pouit. Pouit. Oh, attendez, il faut surtout ne pas oublier cette foutue lampe. Voilà. La lampe Koulala, parce que sinon le monstre du lit, il va nous emboucaner là. Il va nous faire chier. Pardon. Hop. Normalement, il y a du violet là. Voilà, quand même. Bon. Et du coup, surtout que ça sert à rien de leur faire un petit bureau, etc. Puisqu'ils vont toujours. Ils vont toujours faire leur devoir en bas. Mais bon, c'est pas grave. Violet. Bref. Et puis des petites décorations. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On va lui mettre des beaux mecs. Comme pour Seb. Voilà, on va lui mettre des beaux mecs. Hop, des beaux mecs. Oh, c'est trop drôle ce truc. Et ici. Oh, mais je sais pas ce qu'on peut mettre si on va mettre ça. Des créatures du vide. Ce truc, enfin, je l'exploite absolument pas. On va lui mettre un Bionicle là. Ouais, je les exploite absolument pas, les créatures du vide. En même temps, vous me direz, c'est pas trop le challenge pour, mais même en partie privée, bah, c'est rigolo 5 minutes, quoi. Hop là, voilà. Bon, du coup. Est-ce qu'il y a un... Ouais. Hop là. Et voilà! La chambre d'Alexis est prête. Allez, zou. Ensuite, tu iras réclamer... ce lit, puisqu'il t'appartient maintenant. Et au lit, sale gosse. Toi, normalement, c'est bon, tu vas aller te coucher. Toi aussi. Mais va dans la poubelle. Voilà. Et voilà, tout le monde y dort. Clara, tu vas aller faire pipi. Now. Tout de suite. On va baisser les murs. Oui, bah vas-y. Oh! On lui faire... Elle vient lui faire pipi. Bah vas-y. Vous imaginez si on faisait ça, nous? Ça m'énerve. Non, c'est pas le téléphone que je voulais. Je veux savoir, t'en as combien? Oh, t'accouches bientôt. Elle va accoucher dans cet épisode si tout va bien. Du coup, on va lui faire regarder la chaîne pour enfants. Voilà. Donc elle redort encore un peu. Tout va bien. Les enfants vont aller à l'école. Ils ont tous fait leurs devoirs. C'est parfait. J'ai même pas relooké Alexis, dis donc. Je tourne cet épisode à la suite de l'autre. Mais je le trouve trop mignon en fait. Donc il a pas besoin d'être relooké, hein. Je sais même plus qui c'est son père. C'est qui ton père, Alexis? Je crois que c'est le mec qui a les cheveux bleus en plus. Ça me ferait trop rire. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Comment il s'appelle? Lucas Martinez. Bonne mère. Par contre, je sais plus du tout avec qui on a copulé la dernière fois. Voilà, donc elle regarde son truc, c'est génial. Hop, Elantia ira manger un truc. Non, pas de la glace, Elantia, n'importe quoi. Oh là 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 là. Ouvrir, prendre une portion. Toi, pipi, et prendre une portion. Toi, prendre une portion et pipi. Après, ils auraient pu dormir encore un peu, hein. Bon, c'est pas grave. Oh! Et va prendre une portion, sale gosse! M'écoute pas, comme d'habitude. Et toi, mon petit Alexis? Juste prendre une portion. Oh non!
La longue vie de Clara Somphile touche à sa fin. C'est le moment de mettre de l'ordre dans ses affaires. Ah, ce... Non. Non, Clara est invincible, elle ne doit pas mourir. Mais non. Non, Clara ne meurt pas. Elle va pas mourir, là. Non. Regarde, elle est trop happy, elle est trop bien, elle est trop cool. Et le chat recommence à miauler. Non, mais je vais le manger, ce chat. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je crois que vous ne l'entendez pas, donc on va pas non plus y passer 3 ans. Clem, va faire pipi. Et Seb, je te demande d'aller manger. Allô? Oh, ça m'énerve. Toi, c'est bon, toi, c'est bon. Toi, non, mais ils se foutent de ma tronche, ces Sims. Hein. Mais quoi? Mais tu peux y aller, là? Te fous pas de moi? Excusez-moi pour ce bruit. Elantia, t'as mangé, j'espère. Ouais, va pisser. Oh. Et ce chat. Du coup, prendre une portion. Voilà, ils commencent l'école, donc ils vont se casser, ça va nous faire des vacances. Il n'y a plus de respect. Puis désherber. Allez, go. Mais elle a pas mangé, mais elle se moque de moi. Bah écoute, crève de faim, ça me saoule. Franchement, ça me saoule, là, je comprends pas, le frigo, ils y ont parfaitement accès et ils font chier. Toi, devoir manger. Toi, arrêter d'être stupide. Pourquoi elle fait pas sa peinture, elle? Du coup, vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va... Ah, bah c'est bon, il y a déjà une... Une femme de ménage. Alors par contre, vous allez travailler dur, les mecs, parce que il est temps que vous vous cassiez. Hein? On est déjà à 6 Sims, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Hop, nettoyer un petit bidon, donc à mon avis, c'est mort pour les jumeaux, encore une fois. Je pense que je vais arrêter d'espérer, parce que... Oh, les factures. Ah! Ah oui, c'est des sacrées factures. Bon, bah tant mieux, c'est qui ça? Isabelle Bertrand. Ok, si tu veux. Alors, payer les factures, c'est parti. L'ignorer, allez, hop. Oh, ce chat! Il a des soucis, lui. Hein. Il m'énerve. Du coup, allez voir les lèvres, attendre la suite. Attendre la suite. Clémentine fait pipi. Ce serait cool que t'accouches, ma belle. Elle a quand même un sacré bidou. Enfin, c'est normal, elle est enceinte, vous me direz. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller pirater un peu. Programmer, pirater ça. Programmer, pirater ça. Et programmer, pirater ça. Clara, t'as rien dans ton inventaire, c'est bon, ouais, donc t'es prête à mourir, je vais te dire, c'est horrible. Ah, bah alors pourquoi tu fais plus que des toiles toutes pourries, là? Ouais, ensuite tu mangeras. Bah après, elle a bien vécu, hein, elle a vécu combien de temps? Puis elle nous a bien fait des enfants, en plus. Allô? Ça fait combien de temps qu'elle vit? Ok, on ne le saura jamais. Bon bah je pense que dans les prochains épisodes elle va mourir, ça va être triste, mais bon c'est la vie. Cuisiner, bah tu vas faire un gâteau au cas où les gosses ramènent un A, on ne sait jamais. Haricots saucisses, ils en sont d'ailleurs les gosses. Oh bah ils sont pas prêts d'avoir le A. Hein. Oh Seb A, le A. Mais d'où Kirali n'a pas le A? Enfin pourquoi? Enfin c'est bête. Ah non, il va avoir B, lui. Oui, voilà, il va avoir B. J'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas logique, elle est née avant et tout. Bon, du coup, c'est parfait pour faire du travail supplémentaire, etc. Ah, lila, lila, lou. Oh non! Oh!
Elle a le bide vachement qui pointe. Enfin, c'est trop chelou. C'est le vêtement qui fait ça, mais bon. Alors. Pirater. Voilà, tu pirates tout ça, s'il te plaît. Mais dépêche-toi, Jacqueline. Allez, zou, mets ça au frigo. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va refaire un autre plat. Bah écoutez, on va le ranger à sa place. Youp. Allez, allez! Il est temps d'avoir un bébé. Par contre, je vais couper quand elle aura son gosse parce que j'ai pas envie que ça fasse encore un autre épisode où on attend le gamin là. Ah, c'est parfait. Alors, du coup, les enfants. Les enfants, vous allez faire vos devoirs ensemble, hein. Voilà, allez, go. Qui a eu un A? Qui a eu quoi? Donc toi, t'as toujours B. Je pense que t'auras très très bientôt A, toi aussi. Toi, bah, tu viens d'avoir B, c'est parfait. Et toi, t'auras B la prochaine fois. Seb, c'est quand tu veux pour faire tes devoirs, hein. Seb, il écoute pas. Il m'énerve. Ah non, il a déjà fini, en fait. Ok. Fais du travail supplémentaire et ne nous enquiquine pas, Elantia. Dépêche-toi. Toi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone qui sonne là? Je m'en fous. Clara, tu sais pas quoi faire. Tu vas vendre ta toile déjà. Oh, c'est un chef-d'œuvre. Oui, je veux le vendre. Bah, du coup, les surréalistes, elles rapportent plus, hein, j'ai l'impression. Toi. Programmer, pirater, allez, go. Par contre, là, niveau divertissement, les mecs. Ouf. Alexis, il a fini. Donc, Alexis, il va manger. Aller se doucher. Et puis, jouer à la poupée. Seb, tu vas. Aller aux toilettes, te doucher et danser, hein, pourquoi pas. Kéraline, Kéra, tu vas aller en bas déjà. Faire pipi comme une championne, te doucher et manger, ce serait pas mal. Prendre une portion, d'ailleurs, Seb aussi, tu dois prendre une portion. Hop. Et ensuite danser, toi aussi tu vas danser. Elancia, ma petite. Ok, bah elle a déjà tout fait, c'est parfait. Mange. Ensuite, t'iras utiliser, prendre une douche et puis bah t'iras danser aussi, hein. J'ai envie de dire. Toi, t'as déjà fini, tranquille, vendre un collectionneur. Hop. Clémentine, je t'ai pas demandé de dormir, hein. Donc, tu vas déjà manger ça. Ensuite, t'iras aux toilettes. Et ensuite, t'iras dormir. Quoi? Non! Oh. Allez, zou. Zou, 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 zou. Oui, bah dépêche-toi aussi. Clara, tu nettoieras tout ça. Est-ce que tu peux appeler tes enfants comme ça Oh la vache, tous les traits qu'elle a. Comme ça, tu pourras. Mais elle me saoule. Je t'ai juste demandé d'aller faire pipi et d'aller te coucher. C'est pas dur quand même. Te bève. Je suis sûre qu'elle a même pas fini de manger. Si, c'est bon. Bah alors, qui c'est qui a pas mangé ça? Qui c'est qui a pas mangé sa portion? Ok, toi t'es même pas divertie, d'accord. Bon, les gosses vont tous trop mal. Écoute, c'est pas grave. Clara, tu ranges. Tu vas te coucher.
Allez vous coucher. Hop. Hop. Je pense que quand il y aura le nouvel add-on, je vais les faire déménager dans un penthouse, c'est-à-dire un elle accouche, c'est super, donc on va y aller. Un appartement dans les tout en haut de l'immeuble avec piscine, etc. Je pense que ça va être très 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 bien. Je sais pas avec qui tu vas, mais on s'en fout en soi. Vas-y avec Isora, tiens. J'ai trop hâte parce que cette maison, elle est très bien, mais ça nous fera un petit peu de changement, surtout pour moi. De toute façon, je pense que d'ici là, j'aurai terminé la maison, j'espère. Ma caméra frise totalement. De toute manière, je quitterai pas cette maison avant de l'avoir finie et de vous l'avoir partagée dans la galerie. Ça, y a pas de souci. Par contre, après, allez, go, va accoucher. Va accoucher, non, il n'y en a qu'un. Allez, va te faire accoucher par ton père. Tout va bien, encore une fois. Allez. Bonjour, je vais accoucher. Il se casse. Mais je veux pas commander un paquet, non, mais n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez me prendre en charge? Ça aussi, c'est bien le truc buggé, là. Allez, go, vas-y. Bon, alors, garçon, fille! Moi, je pense que c'est un garçon, peut-être une fille. La meuf, et c'est, il y a une chance sur deux. Hein. C'est un garçon. Ça sera mon abonné le plus fidèle, on va dire. Voilà, Alexis da Silva. Ça fait un moment que je dois en appeler un comme ça. Et il n'y en a qu'un, sinon c'est pas drôle. Je suis trop déçue. Donc ça ne marche pas du tout, hein, le truc de faire regarder la chaîne pour enfants, gna gna gna, ça ne marche absolument pas. Bon, c'est pas grave, au moins on a eu un mouflet. J'ai très envie d'appeler un type juste avant pour copuler et passer à autre chose et qu'au prochain épisode on soit déjà enceinte. Je pense que je vais faire ça de toute façon, qu'on sera fini de charger, n'est-ce pas? Quoique, il est peut-être trop tard, ils viendront pas. Au pire, ça vous fera un épisode un petit peu plus long. Hein. Vous n'allez pas cracher dessus quand même. Si ça veut bien se dépêcher de charger, s'il vous plaît. Allez, allez. Aïe, aïe. Que voulons-nous? Des demi-murs? Où en trouvons-nous? Bref. Du coup. Je trouve que Clémentine, elle a maigri en fait. Je lui ai fait faire du sport de ouf et du coup maintenant elle est toute fine. Enfin, c'est particulier. Non, mais tu vas pas dans le truc des Lantia par contre. Non, 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 non. Les Lantia va se coucher et nous fait pas chier. Voilà. Si ça veut bien. Hop. Du coup, les enfants, vous dormez, vous m'enquiquinez pas. Mais tu dors, j'ai dit. Toi aussi, tu dors. Toi, c'est bon, tu dors. Et toi, tu dors aussi. Voilà. Donc, il y aura deux Alexis, ça va être cool pour s'y retrouver. Clara, Dodo, Clem. Bah, du coup, Clem, elle a la pêche. Hein. Clem, tu vas faire du jardinage, je sais pas. Non, tout est bon. Donc, du coup, bah, tu vas t'entraîner à programmer. Non, bah non, je suis bête. On va appeler machin, là. Alors attends, avec qui elle a eu le petit par contre? Que je me trompe pas. Avec Alan Tracy, ok. Donc, regardez tous les gars que j'ai à Ken. Non, du coup Alan c'est bon, tout ça c'est bon. Lui c'est bon. Et ben on va appeler Uvario. Uvario, viens chez nous. Je pense pas qu'il va venir à minuit, hein. Il va nous envoyer paître à mon avis. Uvario dort. Oh, mais quelle idée de dormir, c'est pour les faibles. Du coup, Clémentine, tu vas programmer un truc, hein, s'entraîner à programmer, voilà. Hop, on se dépêche, comme ça la nuit passe plus vite. Ou presque. Ok, elle est très joueuse, on sait pas pourquoi.
Le petit, il est calme pour le moment, mais je pense que ça durera pas. Donc on va l'allaiter, on va changer sa couche. Ça, on supprime. Allez, allez, Zouzou. Bon, tu sais quoi, va aller te coucher, hein. Comme ça passera plus vite. Et tu pourras être enceinte plus vite. Elle est à combien sa jauge de vie là? Oh, c'est où je me perds avec les machins? Oh, bon, on a le temps! On a le temps de ouf en fait, hein. Alors, il est quelle heure? 6 heures. Oh, non! C'est horrible. Mais non, mais Clara. J'ai envie de pleurer. Non, meurs pas. Mais non, mais va pas regarder ta mère crever. Ah non, Clara. Bah, c'est la vie, vous me direz, mais en plus, du coup, j'ai une réussite. Youpi. Ah non, quelle horreur. Oh non, Clara! Mais pourquoi? Non, monsieur la mort, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le supplier? Ça sert à rien de toute façon. Elle a une longue vie, mais son heure est venue. Elle est morte de vieillesse, en fait. C'est. Oui, bah oui. Je m'en suis super bien occupée, donc elle est morte de vieillesse. Non, mais ça sert à rien de l'implorer. Parti pour de bon. Oh non, pauvre Clara! Oh, c'est atroce. Et je suis en train de penser à un truc encore plus atroce. Je suis horrible comme fille. Bon, bah, on va enterrer mamie dans le jardin. Quelle horreur. Oh non, c'est ignoble. Oh, pauvre Clara. Bon, bah, au moins, elle a eu une belle vie, hein. Il y a Ruru qui me regarde. Elle est morte! Elle est morte, Clara. Bon bah voilà hein. Bah j'enterre mamie dans le jardin. Ses cendres feront de l'engrais. Faut que j'arrête d'être ignoble comme ça. Non mais en fait je vous explique, je fais de l'humour pour pas être triste. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ah c'est horrible. J'ai la larme à l'œil franchement. Heureusement que vous voyez pas. Oh mais c'est nul. Oh la pauvre Clara. Bon, on va t'occuper du petit. La faucheuse, c'est une grosse morue. Voilà. Morue. Mais après, elle est morte de vieillesse, donc on va pas se plaindre, hein. Elle aurait pu mourir d'un truc stupide. Oh. Du coup, je me suis même pas occupée des gosses, là. Et bah, de toute façon, ça sert à rien de s'en occuper, puisqu'ils vont partir dans peu de temps. Je vais appeler le papa, le futur papa, donc ce sera Uvario. Si tu peux venir, Uvario, qu'on copule et qu'on passe à autre chose. Non, mais la faucheuse, tu dégages par contre. Juste dégage. Mais il n'y a pas de dégage. Dégage de chez moi! Bon, il va arriver, l'autre blaireau, là. Oh non, mais Clara! En même temps, ça m'avait prévenu, hein. Ça m'avait dit, wesh, elle va bientôt mourir, toi, Sims. Oh, c'est horrible. Horrible. Enfin bon. Bon, il arrive. C'est parfait. Alors, on va pas perdre de temps. On lui dit même pas bonjour. Allez, fais-moi un bébé. Dépêche-toi. Fais-moi un bébé, magne-toi. Hop. Bonjour, fais-moi un bébé. Ok. En plus, elle est triste. Allez, hop, hop, hop. Hop, 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 j'ai dit. Voilà, donc ça fait un bébé. C'est parfait. On va recommencer un petit coup pour être sûr. Réviser les deux contrôles, hein, l'ignorer. Allez, on recommence. Oh, mais pauvre Clara. Oh, on s'en fout des opportunités. Et faire un test de grossesse. Allez, zou. Qu'on finisse là-dessus. Donc c'est parfait. Donc alors beaucoup de rebondissements, la naissance d'Alexis da Silva, la mort de Clara, et puis un autre bébé dans le bidou. Voilà. Donc Uvario, tu peux dégager. Merci Uvario.